Seconde classe, LMR Norma, AKT, yeah. Qui vient nous accompagner. T'es une terti prod en direct de PXL, la capitale. Paraît que la vie c'est bien, mais ça putain je l'ai pas compris. Car quand je me lève moi le matin, j'ai l'impression d'être en prise. J'ai l'impression que les âmes en prise avec Chétan et ces putains démons finiront sous le macadam. Et là je me dis, mais putain que c'est con, une vie sans couleur, sans valeur, sans argent. Moi quand j'étais mal bonheur, je me verrais bien taper dedans. Mais j'ai pas le temps bâtard, et je devrais taper fort pour sortir mon art. Garder les crocs, ouais faut que je me démène, non faut pas que je stagne. Pour un ange monté au siège, dédicace Johan. C'est pour lui et les autres que j'essaye de marcher droit. Essayer d'oublier mes fautes et d'avancer comme il se doit, ouais. Ok, LMR poteau, seconde classe, LKT, LMR, non LMR. Yeah. J'ai le regard vide, je le sais, je suis froid, j'ai mes raisons. J'ai souffert, qu'est-ce que tu crois? Je connais pas la facilité. Et que pour en arriver là, j'ai trimé dans une grande difficulté. Un vrai parcours du combattant, obstacle après obstacle. Je suis un survivant de manière orale. J'exprime mon cœur de ciment, c'est un peu banal. De plus, c'est pas souvent que je me dévoile. J'aurais voulu avoir une vie meilleure, mais celle-ci, elle ne m'impose que des douleurs. J'aimerais t'en décharger le fardeau de mes erreurs et de faire partir cette foutue rancœur. Je suis destiné à la guerre des bordels. Dans une glace, je sais plus me regarder. Mon cas s'est dégradé avec le temps c'est de l'argent. Mais j'ai pas d'argent, donc j'ai plus le temps. LKT, LKT, 5030 GBX, le kiff tout, LKTTP. Ouais. Je viens encore parler de moi, je fais le récit de ma life. Je te raconte un bout d'histoire en quelques rimes lâchées dans le mic. J'ai tellement de trucs à dire que je me perds dans mes pensées. La première partie de ma vie, c'est celle qui m'a plus marqué. Car faut dire qu'à l'époque, on avait tout pour être bien. Mais à cause de mon père, aujourd'hui on n'a plus rien. Quand je n'avais que 8 ans, mes parents se sont séparés. Je n'étais qu'un enfant et je n'avais rien demandé. On avait une grosse maison et on habitait son bref. Mais c'est pas le plus important, non c'est pas le sujet du texte. Ce souci, pour être clair, c'est qu'avec des tailles avalées, mon père tapait sur ma mère dans le but de se défouler. J'étais encore un gamin, mais je savais que c'était mal. Je n'étais pas un crétin, qu'il se quitte était vital. Mais malgré ce qu'il a pu faire, je ne viens pas le déblatérer de mon père. Je peux pas me permettre de le juger. Ouais. Yo, je vais Cette sortie. Aïe, aïe, aïe.